que veut. Quelques habits et de la nourriture. Hey! 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 Chose dite, chose faite. Néoma. Mais elle était ici, non? Elle est où? Néoma. Néoma. Et alors tu es ici? D'où provient le fruit que tu manges? Et qui t'a donné ces beaux vêtements? Et même des boucles d'oreilles, Néoma. Hein? Mon père doit entendre cela. Tu ne veux pas me répondre, non? Tu vas me répondre, hein? Hein? Néoma, dire? Tu ne veux vraiment rien dire, Néoma? J'ai pas tout dit à papa. Papa! Maintenant, dis-moi la vérité. Qui t'a donné ces vêtements-là? Je ne veux pas me répéter. Parce que tu es destiné à porter un seul vêtement jusqu'à ta mort. Qui t'a donné ce fruit et ce vêtement que tu as ici? Qui te les a donnés? C'est Ikena qui me l'a donné. Hé! Hey, Ikena! Ikena te les a donnés. Et tu les as pris. Il te les a donnés comme sa femme, c'est ça? Sa petite amie ou qui encore? Donc tu es arrivé jusqu'à ce point. Tu prends les choses des hommes en échange de ta hanche, de ton corps. Tu es la seule à avoir une hanche douce dans ce village ici. Tu as donc choisi de devenir prostituée. Une prostituée moins chère. Tu devrais avoir honte de toi-même. Hein? Qu'est-ce qui montre même que tu n'es pas enceinte? Hein? Donc tu veux me... Néoma, d'où est-ce que tu viens? D'où viens-tu? Bon après-midi, papa. Pas de salutations. D'où est-ce que tu viens? J'étais allé chercher du bois dans la brousse. Ah, tu viens de chercher du bois de chauffage. Je ne suis pas aveugle. Je t'ai vu revenir avec du bois de chauffage. Oui. Pourquoi ma fille n'a pas encore mangé? Papa, c'est ce que je voulais faire, non? Le matin, je me suis réveillée. J'ai balayé la parcelle. Et j'ai même lavé les habits de Néoma. J'étais allée d'abord puiser de l'eau et revenir préparer pour la servir. Donc tu t'arranges à faire tout ça pour me donner l'impression que tu travailles. Hein? Qu'est-ce qui est plus important? D'aller chercher du bois ou nourrir ma fille d'abord? Lequel est plus important? Je suis désolée. Non, Néoma. Non, tu n'es pas désolée parce que c'est exactement comme ça que tu as conduit ta mère à la mort. Hein? Tu veux tuer ma fille? Tu veux la famille à mort? Hein? Non. Non, tu n'es pas désolé. C'est très important. Allez chercher du bois pour nourrir ma fille. Hein? Dis-moi. Ma fille a faim ici. Donc, papa, il faut la frapper. Frappe-la, papa. Venez ici. Venez ici. Non, Néoma. Venez ici. Hein? Oh. Tu reviendras me trouver ici. Tu reviendras me trouver ici. Regarde même le bois que tu as dit avoir cherché. Hein? C'est seulement c'est bon de chauffage qu'elle a porté ici. Et toi, tu n'as rien mangé. Je n'ai encore rien mangé. Je n'ai encore rien mangé. Hé, hey, qu'est-ce que tu vas manger alors? Hé, hey, est-ce que tu peux bouillir un peu d'eau? Papa, tu sais que je ne peux pas chauffer de l'eau, non? Je ne peux rien faire dans cette maison. Hé. Hey.
Oh Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Attends. Ton oncle est encore tapé dessus. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? C'est chaque jour qu'il te tape dessus maintenant. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as fait? T'inquiète, Ikena. Si c'est l'aide de la volonté de mon Dieu que je sois traité de la sorte, alors qui cela soit ainsi? Ne faut pas dire ça. Ne t'inquiète pas. Tu verras que très bientôt, tout sera bien. Comment bientôt, Ikena? Comment bientôt? Tu sais que je n'ai rien mangé depuis le matin jusqu'à ce moment. Et mon oncle me frappe presque chaque jour. C'est pour ça que suis-je née? Pourquoi ma mère était morte après ma naissance? S'il te plaît, arrête. D'accord? Arrête. Voici, c'est ça. Trouve-toi quelque chose à manger pour l'instant, hein? D'accord? Le soir, je vais te trouver une très bonne nourriture à manger. Merci beaucoup. Que mon Dieu te bénisse et te protège. Tu sais, il faut que je m'en aille maintenant, d'accord? On va se voir plus tard. Au revoir. Ne me dis pas que tu peux encore voir tes mauvais compagnons. Néné, ils sont mes amis et ils ne sont pas mauvais. Depuis que tu as fini avec tes études, tu ne fais rien juste te promener avec eux. Ils disent que dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Hein? S'il te plaît, n'oublie pas de manger quelque chose, d'accord? On se voit plus tard les après-midi. Hein? Alors s'il te plaît, reste là. On se voit plus tard. Prends soin. Ok, merci. Ikena, laissez l'homme qui se dérange pour moi dans ce village. Que les dieux tout-puissants, les dieux suprêmes et mon Tika te protègent. Voilà, Ikena. Ikena, c'est comment? Ça va. Pourquoi tu as traîné comme ça? En venant ici, j'ai vu Nomo en route en train de pleurer. Encore? Oui, encore. C'est seulement l'habitude de son oncle là de la frapper. Ikena, est-ce que tu lui as demandé ce qu'elle a fait? Parce que son oncle n'a pas frappé comme ça, rien. Elle a seulement désobéi à son oncle. Ou bien elle a commis quelques fautes. Tu sais, les filles d'aujourd'hui, il ne faut pas leur faire confiance. Ouais, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu as entendu ce qui vient de sortir de ta bouche maintenant là? Quelle est cette personne dans ce village qui ne sait pas que ce monsieur là, Mazeluko, est très méchant? Ikena, nous savons tous que cet homme là est vraiment très méchant. Mais Mazeluko, mec, que moi je connais, ne peut pas lever sa main sur Noma si Noma n'a jamais rien fait de mal. Il faut quand même dire la vérité en face, hein? Nous savons que c'est ta petite amie, mais il ne faut pas toujours être de son côté. Elle a sûrement fait quelque chose de mal. Ouais, mais c'est bien ça. C'est vraiment évident que tu n'as pas pris le meilleur lait de ta mère. Ah, avant de la déshonorer, en volant là-bas au coin du village. C'est évident, tu ouvres juste ta bouche et tu... Ikena. Tu ouvres seulement ta bouche et tu dis n'importe quoi. Ikena, mais tout cela signifie quoi? Calme-toi. Je t'ai déjà averti plusieurs fois de ne pas mentionner le nom de ma mère quand nous discutons. Non, calme-toi. Écoute-moi, la prochaine fois que tu vas faire ça, tu vas dépendre avec moi. Crois-moi. C'est bon. Ose encore faire ça. C'est bon, je suis calme. Calme-toi. Emeka, reviens, je faisais que plaisanter. Emeka, reviens. Je ne faisais que plaisanter. Mais pourquoi tu l'as plus serré comme ça? Emeka. Reviens.
Sois sûr que tu laves ses habits aujourd'hui parce que je sortirai avec ça demain. Mais, Ngozi, j'ai lavé ses habits juste avant-hier. Et tu ne l'as pas encore porté. Ses habits sont encore propres. Et alors? Non, mais et alors? Je ne vais surtout pas me répéter, oh. Ou ça je dirai à papa que tu as refusé de laver ses habits et le mien aussi. Ngozi, pourquoi tu es si méchante? Tu veux que je lave les habits qui sont déjà propres. Que se passe-t-il ici? Bon après-midi, papa. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, ma refuse de laver les habits que tu l'as dit de laver. Oh, Jimo! Oncle, c'est du mensonge. Je lui disais juste que ses habits sont encore propres, ça n'a pas besoin d'être encore lavé. Non, ma, et alors tu marques contre moi, que ton Dieu bénisse ta bouche. Non, pas Santi. Santi ne va pas lui donner une bonne bénédiction. Je m'occupe d'elle. Maintenant, tu parles à une fille aveugle que ses vêtements ne sont pas sales. Elle est aveugle maintenant. Elle ne connaît pas la différence entre ce qui est sale et ce qui n'est pas bon. Écoute-moi, Noma. Je vais m'occuper de toi. Je vais te défoncer le visage et donner ta chair aux animaux. Donc, Noma, tu mens au nom de ma fille, c'est ça? Hein? Tu dis à ma fille quels sont les vêtements qui sont propres et ceux qui ne sont pas. Comme une fille aveugle. Non, c'est ça. Pas de problème. Je m'occuperai de toi moi-même. Entre là-bas, va t'asseoir. J'ai juste sur la tombe de ma mère et au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que je suis pareil. Tu vas maintenant au nom de ta mère qui t'en est à jouer. Et maintenant, tu vas la tuer jusqu'à sa tombe. Hein? Hein? Donc tu penses que tu vas tuer ma fille? Viens, viens ici. À genoux, à genoux. Oncle, s'il vous plaît, je suis innocente. Non, c'est moi qui te dirai si tu l'es ou pas. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est pour moi? Non, vous cette fille-là, il faut quelqu'un pour mardi. Il faut celui-là. Écoute-moi. Pour avoir été contre ma fille et de ne pas avoir fait ce qu'elle t'a demandé de faire, je vais te donner 60 coups de fouet. Mon oncle, je vais laver les habits. Je sais que tu vas finir par les laver, mais après avoir les 60 coups de fouet, on sait que tu vas les laver. Maintenant, montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Maintenant. Écoute-moi, tu ne peux pas tuer ma fille. Écoute-moi, montre-moi tes mains maintenant là. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Tes mains, ce n'est pas fini. Montre-moi tes mains. Un seul. Montre-moi. Mets ta main ici. Je sais que tu es désolé, mais mets ta main ici. Oui. Ta main, ça fait combien maintenant? Un seul. Ta main ici, ce n'est pas encore fini. Montre-moi ta main ici. Donne-moi ta main. Noma. Donne-moi ta main. Oui. Combien maintenant? Seulement un, papa. Toujours un. Montre-moi bien ta main. Montre-moi ta main. Montre-la bien. Montre ta main. Montre-la. Où tu veux que je te... Montre-moi ta main. Montre-moi ta main vite. Donne-moi ta main. Ça fait combien maintenant? Papa, un. Seulement un. Noma. Né. Oh, Ikena, tu es là. S'il te plaît, viens t'asseoir. Je suis là pour voir Noma. Où est-ce qu'elle est? Noma, cette voleuse, celle-là. Laisse-moi te relater. Tu sais que mon père l'a trouvée en train de voler la soupe. Et je pense qu'elle a pris la fuite. Et tu es là en cherchant Noma. Où je suis venu pour la chercher. D'ailleurs, en fait, j'aime beaucoup être ami au voleur, tu vois. Dès qu'elle arrive ici, dès que je suis venu la chercher. Ikena, attends. Tu ne sais pas que j'ai des sentiments pour toi. C'est une blague. Ikena. C'est une blague.
Ikena. Tu plaisantes. Ikena. Je dois t'avoir, Ikena. Je dois t'avoir dans ces villages. Et si ce n'est pas le cas, je ne veux pas respirer. Je pensais que tu m'avais promis d'arrêter de venir à la tombe de ta mère pour pleurer comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon oncle m'a donné ses fouets sur mes mains pour les choses que je n'ai pas fait. Ngozi a menti. C'est bon, s'il te plaît, arrête de pleurer. Est-ce que tu as déjà mangé quelque chose? Non. Viens, s'il te plaît. Allons chez moi. Je veux te donner à manger. Viens. Il faut que tu manges quelque chose. Tout va bien. Viens. Viens. Les dieux vont punir ton oncle méchant là. Et ça fait inutile. Désolé. Arrête de pleurer, hein. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu sais que je n'aime pas te voir triste comme ça. Arrête, s'il te plaît. Ikena est à moi. Et juste à moi. Je ne peux pas permettre cette stupide de Noma me les prendre juste comme ça. Ngozi, tu sais que tu es une fille très jolie. Hein, tu es très jolie. Mais réfléchis un peu. Est-ce que Ikena est-il avec pour choisir Noma au lieu de toi? Ou soit elle a fait des choses qui le sait? Ou soit elle a fait la même chose qui a tué sa mère après justement sa naissance. Cette fille est une sorcière. C'est une sorcière. Hein? J'ai aussi entendu que son père était mort justement après sa naissance. Et sa mère est morte immédiatement après sa naissance. Cette fille est une sorcière. Tu n'as jamais su. Dis-moi, comment puis-je te dire que c'est une sorcière? Mais mon père va chasser la sorcellerie qui est en lui très bientôt. C'est bien, mais laisse-moi te dire. Ne permets pas à cette nomade de mettre Ikena loin de toi. Fais tout ce qui est possible pour avoir Ikena juste pour toi. Et même si ça demande de donner ton corps, fais-le. Fais-le. D'ailleurs, tu sais que Ikena est très beau. Elle est seule garçon éduqué dans ce village. Alors mon ami, tu dois faire tout ce qui est possible pour l'avoir. T'inquiète pas, je sais quoi faire. Je sais ce que je peux bien faire. Merci.
qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, oh. Désolée. Tu veux que je t'aide? Ah, oui, viens m'aider pour le mettre à l'intérieur. Ok, tiens le plus fort. C'est bon. Ah, ces choses sont très lourdes. Tu vas les transporter, non? Mais attention. Non, mais c'est trop lourd. La prochaine fois, il ne faut plus transporter ce genre de choses. Et où est la maison? De l'autre côté. Ok, laisse-moi te ramener à la maison. La prochaine fois, il ne faut plus réessayer. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, maman. La prochaine fois, quand tu veux puiser de l'eau, prends juste un bidon. Hein? Hein? Ne faut pas le porter, c'est trop lourd pour toi. Onogo. Ah, je dois déjà partir, ok? Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Salut ta maman, ok? Dis-moi, combien de fois? Combien de fois je t'ai interdit d'aller sur la tombe de ta mère pour aller pleurer? Combien de fois, dis-moi? Combien de fois? Pourquoi tu ne veux pas laisser cette femme reposer en paix? Elle est morte comme une pauvre femme. Alors pourquoi tu ne la laisses pas au moins reposer en paix? C'est quoi ton problème? Je sais pleurer. Hein? Je ne sais pas quel est ton problème. Toi, tu es une femme et tu ne veux pas la laisser reposer en paix. Tu vas toujours là-bas pour pleurer. Si un jour je te vois encore aller pleurer là-bas sous cette tombe, tu veux t'enterrer là-bas. Maintenant. Une autre chose, j'ai appris que tu as mené un homme, tu as mené Ikena dans cette maison. Non. C'est quoi ton problème? Non, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne peux pas faire reposer ta hanche? Es-tu la seule fille qui a une hanche sucrée ici? Pourquoi tu ne laisses pas ta hanche se reposer un peu? Tu as eu le courage d'amener un homme ici dans ma maison, Noma? Ah! Non, ce n'est pas moi qui l'ai ramené à la maison. Il était venu me chercher. Qu'il soit venu ici ou que tu l'aies appelé ici. N'est-ce pas la même chose? Qu'il soit venu ici ou que tu l'aies appelé ici. Le plus important est qu'il est déjà venu ici. Hey, tu devrais avoir honte de toi-même. Donc jusqu'à cet âge, les gens viennent jusqu'à chez toi pour coucher avec toi. Tu l'as amené ici pour coucher avec toi. Hey, c'est déjà tout appris. Hey. Oncle, on n'a fait rien fait du tout. C'est un mensonge, tu n'as rien fait. C'est quoi ça sur ta blouse? De l'huile? Je sais que les trois derniers jours, tu n'as pas mangé dans cette maison. D'où vient cette huile alors? C'est Ikena qui m'a donné le riz pour manger. Où? Ah, chez lui. Hey! Oh! Donc, vous venez tous les deux ici à la maison. Après avoir forniqué ici, vous allez chez lui. Et il te donne encore à manger. Hein? Alors qu'est-ce que tu lui as donné en retour? Rien du tout. Rien du tout, papa. J'avais juste mangé la nourriture, puis je me suis mise en route. Hein?
Tu as mangé puis tu es parti. Tu ne sais pas qu'on ne peut pas laisser l'herbe avec la chèvre. Parce que la chèvre finira par manger cette herbe-là. Toi, tu es une femme et lui un homme et vous allez rester là-bas. Tu devrais avoir honte de toi-même. Donc tu as amené un homme ici dans ma maison et tu vois encore celui. Hé, c'est quelle honte ça? Quelle honte tu me fais comme ça? Tu dois avoir honte de toi-même. Maintenant, la punition que je vais te donner, c'est que tu restes ici sous le soleil jusqu'au soir. Et ensuite, tu vas préparer pour ma fille et moi. Tu as bien compris, j'espère. Ok, mon oncle, je ferai ainsi. Ce n'est pas seulement ça. Tu feras tout ça après avoir pris les coups de feu que j'ai réservé pour toi ici. Je vais te fouetter. Je vais te fouetter pour purifier. Je vais te fouetter pour purifier ma maison. Parce que tu as contaminé cette maison. Mets-toi, montre-moi tes mains. Oh, ça va le faire. Amène encore un homme ici. Tu as amené un homme chez moi. C'est ça? Hein? Oh, ça va faire ça. Donne-moi ta main. C'était pas ici que je l'avais mise. Mon ami m'avait demandé d'amener au temple, non? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je veux lui dire? Oh, qui a dû me faire ça? Boka, plus de feu, plus de feu. Ajoute de feu. Je t'accorde ça. Je t'en prie de te déranger à appeler Ken à venir ici. Je sais pourquoi j'ai dit tout ça. C'est notre ami quand même. Si Ken arrive ici, il va commencer à nous poser beaucoup de questions. Trop de questions. Ah voilà, je crois qu'il est là. Quand on parle de nous. Ah, Ikena. Ah, c'est bien que tu sois là, s'il te plaît. Viens nous aider. Nous devons pousser, s'il vous plaît. Dis-moi, où est-ce que vous avez trouvé ce feu? Ah, Kouliébo. Je ne t'avais pas dit ça. Je ne t'avais pas dit que, une fois qu'Iken arrive ici, il va se mettre à poser des questions inutiles ici. Je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû demander à Iken de venir ici. Je suis de l'appeler en tant qu'on ami. Tu sais, quelle amie, tu ne connais plus. Écoute, Ikena, si tu n'es pas intéressé par ce poulet qu'on est en train de préparer, tu ferais mieux de laisser tranquille et arrêter de me poser des questions inutiles. Non, je ne suis pas intéressé. Profitez-en très bien. Moi, j'ai déjà mangé avec un homme à la maison, aujourd'hui chez moi. Hein? Non, moi. Il était venu dans la maison. Je l'ai vu sur la tombe de sa mère en train de pleurer. Je l'ai amené à la maison, je lui ai donné à manger. Waouh! Hein? Waouh! C'est magnifique. Écoute, Ikena, dis-nous non. Est-ce que tu as profité de l'opportunité? Hein? Dis-nous en détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle. Que veux-tu dire? Ah, hey! Que veux-tu dire? Genre, tu sais non, est-ce que tu. L'as-tu touché? Hey! Que Dieu vous pardonne si vous êtes là. Qui voulez vous dire? La toucher comment? Vous voulez que nous fassions l'amour de manière prématurée? L'amour prématuré, à cet âge, Ikena, à ton âge, c'est ce que tu racontes sérieux.
Écoute, Ikenna. Écoute, si tu veux, continue de préparer cette nourriture pour quelqu'un d'autre. Très bientôt, un autre homme viendra bouffer cette nourriture que tu as préparée depuis. Et là, tu diras que je t'avais dit. Je viens de te le dire. Écoute, hein, Ikenna, laisse-moi te donner un conseil. Ceci est une chance unique. C'est une chance unique pour toi de l'avoir pour toi-même. Sinon, une autre personne te la prendra. Tu ne la reverras plus du tout. Tu verras. Sérieux. C'est la seule chose qu'il sait faire en tout cas. Faire à manger. Mais je crois que quand toi aussi tu vas vouloir faire ça, hein, je veux dire, quand tu vas décider de commencer à prendre, à préparer, ta nourriture sera meilleure que celle-ci. Mon oncle, s'il vous plaît, j'ai vraiment trop faim. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Pourquoi tu es comme ça, Noma? Hein? Seulement parce que tu nous as vu manger ici. Maintenant, tu viens me dire que tu as aussi faim. As-tu entendu ce qu'elle a dit? Donne-lui juste bien, un peu. Hein? On lui donne ce qu'il a mangé. À genoux. Hein? Tu ne m'as pas entendu. Tu vas rester comme ça pour manger sur ma tête? À genoux! Tu veux manger. Tu n'as pas faim de quitter cet endroit. Ne regarde pas la nourriture comme ça. Regarde ailleurs jusqu'à ce que je te donne moi-même. Donne-moi ta main. Souris. Mets ta main ici. Tu prends une nourriture comme ça et tu ne souris même pas. Oh, yeah, mange. Souris, non? Il faut sourire. Regarde son visage. Papa, ajoutons-la. Oh, tu veux lui donner? Oui, d'accord. Je vais l'ajouter. Tu vois, ma fille est vraiment très gentille. Non. Il suffit comme ça. Tu ne vois pas. Tu n'as pas vu ça que je vais lui donner ma main. Laisse-la seulement comme ça. Ouais. Mets ta main là, mets ta main là. Il faut sourire. Souris. Excuse-moi, maman. Tu vois, nous sommes gentils. Nous ne sommes pas méchants. Nous sommes en train de manger. C'est la même table avec toi. Tu vois? C'est comme si tu n'as pas grand-chose à faire. C'est pourquoi tu restes encore là. Pour en parler. Ah, tu vois ce que c'est que ça? Oui, je l'ai épuisé aujourd'hui. Renverse ça. Oh, yeah, vas-y. Hein? Renverse ça. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu ne l'as pas entendu. Tu mets tout ça là de côté. Tu vas encore aller chercher d'autres. N'as-tu pas mangé? Tu as mangé. Ah, tiens-toi debout et renverse cette eau là. Je pensais qu'elle allait mieux se comporter après avoir reçu la nourriture. Fais vite, renverse tout cette eau-là. Hey, papa, attention à tes pieds. Hein? Une seule goutte d'eau sur moi et je vais t'enterrer vivante. Je sais pas ce que tu m'as entendu. Renverse cette eau. Et quand tu finis, si tu vas très vite pour revenir très vite aussi, il va pas prendre beaucoup de temps là-bas.
Renverse tout là-bas, s'il te plaît. Soulève-le, laisse-moi voir. Laisse-moi voir. C'est fait. Fais vite et rassure-toi de revenir très vite. Tu l'as entendu? Faut rentrer à temps, oh. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y aura pas la nourriture pour toi dans cette maison. Est-ce que tu m'as entendu? Il n'y aura pas de la nourriture pour toi dans cette maison. La nourriture que tu prépares, c'est avec l'argent de mon père. Hein? Alors, si tu rentres à temps, je te donnerai la nourriture. Mais si tu ne le fais pas, il n'y aura rien pour toi, oh Noma. Tu l'as bien entendu. Va manger, s'il te plaît. Souris, Noma. Il faut faire très vite. Je ne veux pas me répéter. Elle a déjà mangé. Papa, mange, il ne faut pas t'occuper d'elle. Tu vois que nous prenons très bien soin de cette fille. Oh. Mais tu sais, hein, il faut que tu apprennes à bien préparer pour ton mari. Voilà. Même si tu ne sais pas encore préparer pour l'instant, mais plus tard tu vas apprendre. Et je te fais confiance. Oui, papa. Si c'est du safou, tu sais le faire. Si c'est du curry, tu sais le faire aussi. Si c'est de l'alebo, là c'est sûr aussi le faire. Maman, maman, laisse-moi te soulever. Désolée, oh. Merci, ma fille. Ces bottes de souffle sont trop lourdes pour toi, pour transporter. Oh, t'inquiète pas. Je peux très bien prendre soin de ça. Ne vous inquiétez pas, oh. Je te dirai à les ramener à la maison. Ah, es-tu sûre? Oui, on prendra quelle route pour arriver chez toi? De ce côté. Ah, ok, ok, je vais t'aider à les ramener. Oh, merci, oh. Oh, laisse-moi t'aider.
fille, nous pouvons nous reposer. Ah ah, c'est ici ta maison. Ne t'inquiète pas, mon fils sera là bientôt pour m'épauler. Prenez un peu de repos. Ah, ok. Ah, laisse-moi t'aider. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, maman. Ah. Ah. Merci beaucoup, ma fille. Je vous en prie, maman. Tu as un très bon cœur. L'autre jour, je t'avais vu aider un Ekema avec son bidon d'eau. Et aujourd'hui, tu m'as aidé avec mes boîtes de chauffage. Que le Dieu du ciel, Chukou, le Dieu suprême, le Dieu de la terre et le Dieu du ciel, Ndimbiri, adieu coucou, et que ton Dieu te bénisse. Issé, merci beaucoup maman, et je dois déjà partir. Et attends, ma fille, je sais que tu traverses beaucoup de choses entre le maître et ton oncle. Prends ceci. À n'importe quel moment tu as besoin de quelque chose, exprime-toi à cela et tu seras répondu. Sois-en sûr que tu demandes toute chose qui est importante pour toi. Et une autre chose, n'aie dit à personne d'autre. À personne d'autre concernant ce bracelet. Est-ce que tu me comprends? Mais pas demain. Ne pose pas de questions. Fais juste ce que je t'ai dit. Tu peux aller maintenant. Merci, maman. Je t'en prie, ma fille. Je dois être en route pour la rivière maintenant. Ok. Prends soin de toi, oh. Fais de même. Hey! Est-ce que tu sais que dans ce village, la manière dont les filles et les garçons se comportent aujourd'hui, ils peuvent avoir des infections? Oui. C'est sûr. Et c'est pourquoi je suis fier de toi. Parce que toi, ma fille, tu es vraiment un exemple. Et j'ai dit que c'est stupide de Noma. Papa, ne t'inquiète pas, suivre ton exemple. Tu es une fille très mariable. Il n'y a pas d'homme dans ce village qui va vouloir se marier et qui ne viendra pas te chercher vite ici. En fait, tu es une fille que tout homme dans ce village voudrait épouser. L'homme qui traite les infections là-bas, c'est mon ami Udoka. Udoka m'a dit que beaucoup de garçons dans ce village ont des infections parce qu'ils ne peuvent pas se contenir. Les filles et les garçons ne peuvent pas se contenir. Regardez tous maintenant, ils ont des infections. Et tous là ont des infections. Donc, tu comprends ça? C'est pourquoi j'ai dit que presque tous les garçons et les filles de ce village ont des infections. Tu comprends ça? Mon oncle, j'ai fini avec de l'eau. Puis-je prendre ma nourriture maintenant? Nourriture? Quelle nourriture, Noma? Hein? Quelle nourriture? Avant que tu quittes cette maison, je t'avais dit de rentrer à temps. Tu as gaspillé tout ton temps. Et tu es là en demandant la nourriture. Il n'y a pas la nourriture pour toi dans cette maison. Mais oncle... C'est moi qui t'ai fait traîner. Arrête de citer mon oncle, mon oncle. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Hein? Avant de quitter ici, elle t'a dit de revenir ici à temps. Maintenant, tu as quitté ici pour aller chez Ikena. Après avoir poussé l'eau, je suis sûr que tu es encore allé chez lui, chez Ikena, chez lui d'abord dans sa maison. Hein? Pourquoi tu n'as pas mangé dans sa maison alors? Alors, pourquoi cet orphelin du Ken ne t'a pas donné à manger? C'est parce qu'il n'en a pas. Vas-tu disparaître de ma vue? Regarde-là. Disparaître de ma vue avant que les gens qui mangent la nourriture te mangent même ici. Je t'avais prévenu qu'il y aura pas la nourriture pour toi dans cette maison. Et n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, comme je disais, ma fille, tu dois toujours te conserver pur. Tu comprends ça, ma fille? Tout le monde ici, je veux dire, tous les jeunes hommes, ils ont des maladies. Yeah.
seul que tu veux. Exprime-toi en cela. Et cela te répondra. Sois-en sûr que tu demanderas toutes choses importantes pour toi. Qu'est-ce que je demandais? Je veux la nourriture et les habits. Jimo! Boucles d'oreilles. Qui te les a achetées? J'ai travaillé pour quelqu'un au champ. Il m'a payé, alors je les ai achetées. Yeah. Ça, c'est bien. J'aime vraiment te voir heureuse. Quelle est la source de ce nouveau bonheur que tu as? Mon chi est la source de mon bonheur. Ouais. J'espère que tu as déjà mangé. Oui. J'ai mangé deux fois aujourd'hui. Hein? Deux fois? Qui t'a donné à manger? Non. Ton oncle? Il m'a demandé de préparer pour lui. Alors, après ça, j'ai dû manger. Qui est intelligente. Obi, as-tu déposé la candidature? Disons que je l'ai déposé des poussières. J'espère avoir ce travail. Mais j'ai de l'espoir. Je sais que les dieux vont m'aider à avoir ce travail. Qui sait? Regarde combien tu es belle. Ikena, donc tu es ici. J'étais en train de te chercher. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, mon compagnon, va aller voir mes pièges. N'as-tu pas vu que je suis avec mon ami? Oui, je peux voir ça, alors. Alors, suis-moi, allons-y. Je ne pense pas que je puisse partir. Une autre fois, peut-être. Nous avons une discussion très importante ici. Ah, je vois. Ok, pas de problème. On se voit plus tard dans ce d'accord, cas. D'accord. Tu vois ton ami, non? Oui. Il ne faut pas le laisser gâcher notre première comme ça. Ta robe est très jolie. Ouais. J'aime beaucoup cette robe. Merci. Je veux quelques habits et la nourriture. Hey! Eh ouais! Aussitôt dit, aussitôt fait. Non, ma! Mais elle était ici, elle est où? Non, ma. Non, ma. Et donc tu es ici? Regarde-toi. Où est-ce que tu as pris cette nourriture? Eh, mon Dieu. Et qui t'a donné ces jolis vêtements? Et même des boucles d'oreilles, non, ma. Hein? Mon père doit savoir tout ça. Tu vas me dire où est-ce que tu as pris toutes ces choses, hein? Non, Mado! Tu ne veux rien dire, non, ma? Je vais tout dire à mon père. Papa! Papa, hein? Papa! Papa!
Maintenant, dis-moi la vérité. Tu t'as donné ces vêtements-là. Je ne veux pas me répéter. Parce que tu es destiné à porter un seul vêtement jusqu'à ta mort. Qui t'a donné ce fruit et ce vêtement que je vois ici avec toi? Qui te les a donnés? C'est Ikena qui me l'a donné. Hé hey, Ikena! Ikena te les a donnés. Et tu les as pris. Il te les a donnés comme sa femme, c'est ça? Sa petite amie ou qui encore? Donc tu es arrivé jusqu'à ce point. Tu prends les choses des hommes en échange de ta hanche, de ton corps. Tu es la seule à avoir une hanche douce dans ce village ici. Tu as donc choisi de devenir prostituée. Une prostituée moins chère. Tu devrais avoir honte de toi-même. Hein? Qu'est-ce qui montre même que tu n'es pas enceinte? Hein? Tu veux faire la honte de ça? Hein? Je veux disparaître dans cette communauté? Je veux faire la honte dans cette communauté. Je veux faire la honte. Je veux me disgracier. C'est ça. Me déshonorer. C'est ce que tu vas faire. C'est ça. C'est la honte que tu veux me faire. C'est ça. Mauvaise fille. Ça ne va jamais arriver. Ça ne verra pas chez moi. Jamais. Je ne laisserai pas faire. Tu veux me déshonorer. C'est ce que tu veux. Tu veux me faire la honte. C'est ça. Tu veux me déshonorer. Ikena. 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 Directeur. Vous venez chez moi le matin comme ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Tout ne va pas bien, Ikena. J'ai appris que tu es venu voir Neoma dans ma maison là-bas. Hein? Tu lui as même donné à manger. Hein? Toi-même, tu n'es pas capable de manger 3 fois par jour. Tu te permets de donner à manger à Neoma. Hein? Autrefois, tu lui as donné à manger. Et maintenant, des vêtements. Je lui ai demandé, il m'a dit que c'est toi qui les as donnés. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux de cette fille? Qu'est-ce que tu veux, Ikena? Maintenant, écoute-moi très bien. Toi, pauvre orphelin, instruit. Je ne veux plus jamais te voir nulle part autour de Neoma. Si jamais je te vois encore près de cette fille, ce que je vais te faire, tu ne vas pas l'apprécier. Vous avez fini? Le directeur de ce village qui n'est même pas instruit, vous avez fini? Vous savez, j'ai toujours attendu que ce jour arrive pour que je vous dise enfin la vérité en face. Ah. Comment on peut être aussi méchant en traitant son propre sang comme ça? Neoma a fait tous les travaux à la maison. Elle ne va même pas à l'école. Tu ne donnes même pas à manger. Mais ta fille là, elle va à l'école et elle revient à la maison pour manger 3 fois par jour. Mais elle ne fait rien du tout. Celle qui fait tout dans la maison, vous la traitez. Je ne sais même pas comment considérer la façon dont vous la traitez. C'est la méchanceté. Tu connais le karma? Tu connais le karma? Le karma va très mal te frapper. Le karma? Le karma? Tu viens de dire le karma là? Tu connais le karma? Mais laisse-moi te dire. Le karma de la hanche de Neoma est plus dangereux que le karma que tu connais. Mais laisse-moi te dire, si un jour je te vois encore autour de sa hanche, c'est que je vais te faire. Tu ne vas pas apprécier du tout. Regarde-toi, depuis que tu es revenu de l'université, ici dans ce village, tout ce que tu fais, c'est de sauter d'une fille à une autre. Hein? Mais laisse-moi te dire, Neoma n'est pas faite pour toi. J'ai même dit que tu étais allé étudier. Je ne suis même pas sûr que tu aies vraiment étudié correctement. Je ne suis pas sûr du tout. Tu n'as pas étudié correctement. Je ne pense pas. Regarde-toi. Tu sais, tu n'as pas honte de toi-même. Tu dis que moi, je n'ai pas bien étudié. Ta propre fille n'étudie pas bien. Et saute d'un homme à un autre. Et c'est à moi que tu veux parler ici. Que le Dieu fasse que aucune autre personne ne vienne de ce monde avec un cœur comme le tien. Va-t'en d'ici au méchant. Regarde-toi. Regarde-toi un peu. Oui, ma fille n'est pas passée parce qu'elle a refusé de tricher. Elle n'a pas voulu vous rejoindre dans vos branchements pour réussir. Mais toi, tout ce que tu voulais, c'est revenir aussi avec ces coiffures sales. Mais je t'ai dit, si je te vois encore t'approcher de Neoma, tu vas regretter pourquoi tu es. Si jamais tu remets tes pieds dans cette parcelle, je vais te couper tes jambes là. Sors d'ici maintenant. Tu serais d'infecté cette parcelle avec tes méchancetés. Voilà même comment il est mal habillé. Un homme non instruit, un villageois, sale homme, un mafia. Essaie encore de revenir ici, tu verras. N'importe quoi, reviens encore ici. Voilà même comment. Voilà comment il est habillé. Thank you.
Pas le premier de mon oncle. Qui t'a donné tout ça? Je mange la nourriture que Ikenna m'avait donnée. Ikenna? Combien de fois je t'ai dit de ne rien prendre de cet homme-là, Ikenna? Combien de fois je t'ai dit ça? Hein? Et puis, moi je parle, toi, tu continues de manger. Viens, jette tout ce que tu manges là. Jette tout. Jette tout là-bas. Regarde là. Hein? Écoute maintenant. Va dans la maison maintenant. Va chercher du bois là-bas. Cherche du bois, allume le feu, cherche de l'eau et fais à manger pour ma fille et moi. Tu m'as bien entendu? Va-t'en maintenant d'ici. Va-t'en d'ici, va-t'en. Hey, va-t'en. Va-t'en d'ici, va-t'en. Tu vois, c'est manger n'importe quoi ici. Tu sais même pas ce que ce garçon Ikenna a mis dans cette nourriture. Maintenant, tu manges ça. Regarde là. N'importe quoi. C'est quand même bon. Je n'aime pas ces garçons, mais celui qui a donné un homme à ces fruits-là. Et puis c'est bon comme ça. Dépêche-toi, va chercher de l'eau vite. Es-tu encore là? Cette pastèque est vraiment délicieuse. Très délicieuse. Mais, je pense que tu me caches quelque chose. Parce que j'ai remarqué que tu es très heureux ces jours-ci. Et puis tu manges tout ce que tu veux manger et encore, il peut t'habiller très bien ces jours-ci. Kem, je t'avais dit que je travaille pour les gens. Et quand ils me payent, j'utilise l'argent pour acheter tout ce que je veux. L'autre jour, ton oncle est même venu chez moi à la maison. Il a dit que c'est moi qui t'aimais comme lui. Il dit que c'est moi qui te donne tout ce que tu manges et tout ce que tu portes. Il ne faut pas suivre mon oncle. Qu'en est-il de la candidature que tu avais déposée dans cette entreprise en ville? Tu as des nouvelles? Pas encore. Il ne m'a pas encore appelé. Mais il y a quand même espoir. Je prie que les dieux répondent à toutes mes prières. Il sait. Mais je pense encore que tu me caches quelque chose, toi. Quelle est la source de tout ton bonheur et de tout ce que tu as ces jours-ci? Ok, tu veux connaître la vérité? Oui. Une autre chose. N'ose dire à personne d'autre, concernant ces bracelets. Est-ce que tu me comprends? Je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Obi. Tu es la source de mon bonheur. Es-tu sûr? Oui, bien sûr que je suis sûr. Tu sais que je t'aime. Et je t'aime aussi. Je pense vraiment que tu me caches rien. Je ne te cache rien du tout. Je veux le bois de chauffage.
Oncle, bon après-midi. Est-ce que tu as quelque chose à manger? Dois-je préparer de la nourriture pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait quelques jours que cette fille est toujours heureuse comme ça. Et ne me demande même plus de la nourriture. Elle fait tout ce que je lui demande de faire, avec plaisir. Qu'est-ce qui peut bien être la source de son bonheur et de sa nourriture? Elle a l'air très heureuse et plus joyeuse que ma propre fille. Non, il faut que je découvre la source de son bonheur. Elle ne peut pas être heureuse comme ça, plus que ma propre fille. Ce n'est pas possible. Ikena, je veux que tu m'appartiennes. Je ferai tout mon possible pour que tu m'acceptes. Je te demande cette chose il y a longtemps. Et je t'ai dit plusieurs fois que cela ne va jamais arriver. D'accord? Mon cœur appartient à Noma et ça va rester comme ça. N'y suis-je pas belle? Hein? Regarde-moi, n'y suis-je pas belle? Qu'est-ce que Noma possède que je ne possède pas? Hein? Elle ne te donne pas son corps, mais moi je peux te donner mon corps 3 fois par jour. Que le Dieu brûle ta langue là, parce que tu dis n'importe quoi sur Noma. Tu penses qu'elle est comme toi? Elle a l'essence de l'honneur et du respect pour elle-même. Elle n'est pas comme toi. Va-t'en ici maintenant. Ikena, qu'est-ce que tu fabriques ici, non? Allez, allons-y. C'est toi, tu montres à nous attendre. Allons-y, s'il vous plaît. Ikena, voilà que tu es avec Ngozi aujourd'hui. Est-elle ton amie? Allons-y, s'il vous plaît. Ah, allons-y. Ikena. Ikena, Ikena. Ikena, tu sais qu'il fallait que je dise un truc? Cet homme est très méchant. Qu'est-ce qu'un homme lui donne que tu ne peux pas lui donner? Aussi longtemps possible que je vis dans ces villages, je ferai tout mon possible pour avoir Ikena. Ben, ça c'est mon ami. T'inquiète pas, le temps nous dira, allons-y. Maintenant, je veux que tu ailles appeler Noma. D'accord? Tu l'appelles et tu entres dans mon jeu. D'accord? Quand tu l'appelles, tout ce que tu me vas faire est dire, toi, tu joues seulement le jeu. Nous devons découvrir la source de son bonheur et d'où elle a cette nourriture et ses vêtements. D'accord? Mais papa, espérons qu'elle ne soit pas orgueilleuse parce que je la déteste beaucoup. Cela ne doit pas te déranger. Ça ne doit pas te déranger. Ce qui est plus important, c'est que nous découvrions d'où elle a toute sa nourriture et tout son bonheur. C'est ce qui est important. Une fois que nous allons découvrir ça, nous allons y mettre fin. Et nous ferons en sorte qu'elle ait plus de souffrance qu'elle n'a jamais eue. Ok. J'ai compris. Alors, on va l'appeler. Ok, papa. Ah. Non, ma fille. Ah. Non, ma, assieds-toi. Assieds-toi. Oui, assieds-toi. Je veux que nous parlions de quelque chose de très important. Norma, je voulais seulement te dire ceci. La nuit dernière, dans un rêve, ta défunte mère m'est apparue. Et elle était très en colère. Et elle a dit que je ne te traite pas correctement. Que je ne te considère pas comme ma propre fille. Elle n'est pas contente de moi. Je pleurais toute la nuit, même dans mon rêve. Je me suis réveillé, mais je pleurais toujours. Mais dans mon rêve, je lui ai fait une promesse. Que je te prendrai désormais comme ma propre fille. Que je veux bientôt te traiter comme ma propre fille. Alors, c'est pour ça que je t'ai appelé ici. Et d'ailleurs, je compte t'envoyer déjà à l'école. Oncle, êtes-vous sérieux? Oui. Merci beaucoup, mon oncle. C'est bon, mon oncle, je vous ai pardonné. J'aimerais juste avoir quelqu'un. Je peux appeler papa et ma soeur. Tu sais, le père et la mère que tu n'as jamais eu. J'ai promis à ma soeur que je serai ton père et aussi ta mère que tu n'as jamais eu. Je lui ai promis de prendre soin de toi et te protéger seulement comme ma fille.
tout ce que je donnerai à ma fille. Assure-toi que tu auras la même chose. Et d'ailleurs, tu sais que très prochainement, tu vas aller à l'école. Et tu as le choix de choisir n'importe quelle école de ton choix. Toute école que tu veux. Merci beaucoup. Je t'y enverrai. Merci afin de me rassurer que ma défunte sœur repose en paix. Merci beaucoup, mon oncle. Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Non, tu ne dois plus m'appeler comme ça. Commence à m'appeler papa. Désormais, je suis ton père. Le père que tu n'as jamais eu. Et nous voulons demander aussi pardon. J'aimerais même m'agenouiller, demander pardon. Non. Je m'agenouille afin que ma soeur soit un peu contente. Levez-vous, désolé. Oncle, s'il vous plaît. Oui, levez-vous tous les deux. Je vous ai pardonné. Tu es sûr? Oui, je vous ai pardonné. Tu promets que tu m'as pardonné? Oui, oui. Très bien. Alors, je vais t'envoyer à l'école très prochainement. Tu n'as qu'à choisir n'importe quelle école que tu veux. Hein? Merci beaucoup, mon oncle. Oui, c'est bon. Tu vois, arrête de m'appeler ton oncle. Je suis maintenant ton père. Je suis le père que tu n'as jamais eu maintenant. Ok, papa. Ça sonne bien maintenant comme ça. Alors, nous sommes maintenant une seule famille. Oui. D'accord? Oui. Nous resterons maintenant très bien. Ma sœur. Néoma, ma petite jolie. Papa, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, papa. En forme. Bonjour, Né. Bonjour. Ma jolie fille, comment était ta nuit? C'était bien, papa. De la poussière. Oui. Mais pour Kongozi, lave les habits et prépare en même temps. Et vous, vous balayez la parcelle. J'espère que tout va bien. Tout va bien, ma fille. Tu vois, nous avons déjà beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons aussi cherché du bois. Et elle est allée chercher de l'eau, ce que tu peux voir là-bas. Et voilà, elle prépare. Elle fait aussi des nettoyages. Nous voulions seulement nous rassurer que la nourriture soit prête avant que tu te réveilles. Oui, la nourriture est déjà prête là-bas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment surprise. Espérons que... Non, tout va bien. Ne sois pas surprise, ma fille. Nous voulons seulement nous rassurer que tu trouves du bonheur dans cette famille. Nous sommes une seule famille. Ne te dérange pas, nous avons déjà tout fait ici, hein? Toi, il faut seulement t'asseoir et tu vas manger. Sois heureuse. Non, où je vous ai dit? Non, pas du tout, pas du tout. Assieds-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, assieds-toi. La nourriture sera bientôt prête, d'accord? Va juste t'asseoir, s'il te plaît. Assieds-toi, ma fille. Néoma, ma très jolie fille. Fais-moi vite. Essaie de voir si c'est prêt. Oui, papa. Pense à... Assieds-toi qu'il y a encore du feu là-bas. Fais vite. Ah, oui, je le fais. Dépêche-toi. Nous allons bientôt avoir faim. S'il te plaît, fais vite. Fais vraiment vite. Ta nourriture sera bientôt prête, hein? Hein? Mange ta nourriture. Hey, Norma. Mange. Mon oncle, je peux bien manger moi-même. Oh, alors pourquoi je suis là? Comment je peux rester là te voir te stresser pour manger? Non. Faut pas me dire ça, mange seulement. Hey, voilà ma fille. Sois juste calme. C'est ta nourriture, vas-y mange. Hein? La nourriture est-elle bonne? S'il te plaît, amène un peu d'eau. Ok papa. Amène okay. De l'eau. Va la chercher chez maman Obi, s'il okay, te plaît. Ok papa. Fais vite. Dépêche-toi. Vas-y, mange petit à petit. Oui. Hey, Noma ma fille, je savais que tu serais aussi belle. Quand ta mère t'a donné naissance. Oui, je le savais, parce que la beauté qui te fait déjà à cet âge-là. Hey, il faut manger, hein? Mange, hein? Oui. Hey, ma fille a bien mangé. Elle a bien mangé. Non, ma. Le voici. Merci. Non, toi, reste là. Ne te dérange pas. Je vais t'aider.
Non, c'est bon, je le ferai. Non, non. Laisse-moi t'aider. Laisse-la t'aider. Pourquoi nous sommes là? Okay. Fais attention. Hé, non, non. Désolé, attention. Désolé. Il faut te concentrer. Pourquoi tu es comme ça? Sois concentré. S'il te plaît. Non, mais désolé, ma fille. Prends aussi un peu d'eau. Continue avec de nourriture. Hé, non, ma fille. Non, ma fille. Hé, je vais rattraper tous les temps perdus. Ma jolie fille. Mange ta nourriture. Mange ta nourriture. Bon appétit. C'est bon. Oui, c'est très bon. Mange, mange, mange encore un peu plus. Désolé. Hé, non, ma petite fille. Il faut que tu termines tout ça. Il faut que tu termines ça pour que tu reprennes tes forces. Voilà comment elle monte, sa nourriture. Hey. Elle le fait très bien. Oh, ma petite fille. C'est important. Laisse-moi finir le reste. Non. Mais pourquoi je suis là alors? Je n'ai pas besoin de faire ça. Je suis là pour prendre soin de toi. Tu sais que c'est ce que j'ai promis à ta mère, n'est-ce pas? Je lui ai promis que je prendrai soin de toi. Je lui ai promis de prendre soin de toi comme ma propre fille. Je crois que désormais ta mère va reposer en paix. Merci beaucoup que je t'ai vu ici. Je t'ai cherché partout. Je voulais te remercier pour ces bracelets que tu m'avais donnés. Merci beaucoup. En tout cas, ça marche bien pour moi. Merci beaucoup. Non, ma. J'aimerais que tu sois ma prudente. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu es prévenue. Je ne comprends pas. Sois prévenue. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Noma. Noma, pourquoi tu dors ici dehors comme ça? J'espère que tout va bien. Bon après-midi, mon oncle. Ah non, ne m'appelle plus comme ça. Appelle-moi papa. Attends, tu sais, tout a changé maintenant. Maintenant, je suis ton père. Appelle-moi papa. Je suis ton père maintenant. Le père que tu n'as jamais eu. D'accord? Où est ta sœur, Ngozi? Elle est sortie. Ok, j'ai acheté quelques histoires pour toi. Tu sais, je veux que tu sois toujours très heureuse. Ok? Écoute-moi. Attends un peu. Je t'ai acheté ceci. Ah! Tu as acheté ça pour moi? Oui. Hey, c'est très joli ces vêtements. Oui, et pas seulement ça, je... Merci beaucoup. Ta couleur préférée, je t'ai acheté ça aussi. Waouh! Oncle, désolé papa. Merci beaucoup. Oui, appelle-moi papa. C'est très joli. J'ai aussi une surprise pour toi. Des livres. Tu vas retourner à l'école. Waouh, pour l'école. Merci beaucoup, papa. Merci. Oui. Oui, il est temps que tu aies à l'école. Oui, et j'ai une autre surprise ici pour toi. Quelque chose de très spécial. Une autre pour surprise toi. Oui. Des pommes. Tu sais ce que signifient les pommes, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu sais, c'est l'amour. Donc l'amour continuera à régner dans cette famille. Mais merci beaucoup. L'amour nous réunira tous comme une seule famille. Oui, c'est pour montrer combien je t'aime. Toi, tu es ma fille. Et je ferai tout pour toi. Oui. Oui. Papa, j'ai eu un rêve étrange cet après-midi. C'était quoi ce rêve-là? Dans mon rêve, une très vieille femme que j'ai aidée pour transporter ses boîtes sauvages m'a apparue et elle m'a dit d'être prudente, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien, ce n'est pas un mauvais rêve. Parce que les rêves comme ça, c'est à nous, les vieux, de chercher à les interpréter. Alors pour l'interprétation, le rêve là signifie simplement que il faut que tu sois prudente avec les gens autour. Parce que tu vois bien que nous commençons à réussir. Les gens seront un peu envieux pour ce qui va nous arriver. Surtout les gens comme Ikena. C'est ce que le rêve signifie. Il faut que nous soyons très prudents avec les gens comme ça. D'accord? Ce n'est pas un mauvais rêve. Pas du tout. Alors moi aussi, je vais joindre ma voix à celle de cette femme-là pour te dire d'être très prudente. Ok. Ma fille, tu vois, nous sommes maintenant une famille. Alors, tout le monde doit être heureux. Profitons de ce que Dieu nous a donné. Merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Non, il y a encore plus qui arrivera.
je te surprendrai avec plus de cadeaux. Hein? Tu es ma très belle fille, je suis fier de toi. Merci beaucoup, mon oncle. Attends, tu verras, je te donnerai d'autres, ne t'inquiète pas. Tu auras plus que ça. Ikena, mon amour. Hein? S'il te plaît, je t'en suis plus au nom de Jésus. J'ai des sentiments pour toi. Accepte-moi. Hein? Je suis prête à tout faire pour que tu m'acceptes comme la tienne. Ferais-tu de tout ton possible pour m'avoir dans ta vie, c'est ça? Est-ce que tu t'entends parler? Cela montrera combien je t'aime. Je peux même t'emmener dans la brousse et te donner tout ce que tu veux. S'il te plaît, viens. Excuse-moi, s'il te plaît. Que non, s'il te plaît, non. Arrête. Ngozi ou peu importe quel est ton nom, s'il te plaît, arrête ça. Hein? Mon cœur appartient à Noma pour toujours. Excuse-moi. Mais c'est quoi tout ça? Ikena! Ikena! Je sais que tous les deux êtes ses amis. S'il vous plaît, aidez-moi à parler avec lui. J'aime vraiment votre ami. Qu'est-ce que Noma possède que j'en ai pas? S'il vous plaît, aidez-moi à parler avec Ikena. Ngozi, Osokwadoro, on lui parlera pour toi. C'est bon maintenant? Mais à une seule condition. C'est laquelle? Ngozi, la condition est vraiment très simple. Vraiment simple, ce n'est même pas difficile. La condition, c'est que tous les deux, on va te prendre, nous deux en même temps, l'un après l'autre. Que Dieu m'en parle. Donc, vous devez d'abord coucher avec moi, juste pour m'aider à parler avec Ikena. Elle pense quoi, celle-là? Pour qu'elle se prend? Ngozi, on ne te supplie pas, oh. Ce n'est pas par force, non? Écoute, si tu vois que tu n'en veux pas, tu peux quand même oublier ça. Hein? Très simple, non? Oublie ça carrément et mets ça en tête. Une fois que tu auras refusé notre offre, oublie Ikena pour le reste de ta vie. Voilà. Tu ne t'approcheras plus jamais de Ikena. D'ailleurs, ils diront à Ikena d'arrêter de t'adresser la parole. Il arrêtera de répondre à tes salutations à partir de maintenant. Tu comprends? Il ne te verra même plus. D'ailleurs, Ebuka, allons-y, s'il te plaît. Oui, allons-y, mon gars. Ok, attendez, attendez. Et donc, où est-ce qu'on le verra? Là, tu parles maintenant, non? Mais allons dans la brousse, où est-ce qu'on a déjà fait avant? C'est ça même mot. Qui sera le premier? Mais pourquoi est-ce que tu poses des questions quand tu dis une enfant? Est-ce la première fois que tu le fasses? N'importe qui peut commencer, d'ailleurs. Ou bien, on peut aller ensemble. Oui, on peut commencer ensemble. Voilà. Oui. Écoute, laisse-moi te dire. Sois calme. Tu aimeras qu'on le fasse tous les deux. Allons-y, allons-y maintenant. Ngozi. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, papa. Tu sais bien que je t'aime beaucoup et je suis prête à tout faire juste pour te rendre heureuse. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué que depuis que nous vivons maintenant ensemble, comme une seule famille qui vit en paix, tu deviens de plus en plus belle. Tu ne vois pas ça? Tu sais que je t'aime beaucoup. Et je commence déjà à voir que les jeunes garçons veulent déjà te demander un mariage. Mais ils doivent encore attendre parce qu'il faut que tu ailles d'abord à l'école. Toutes mes enfants doivent aller à l'école et devenir soit avocate ou médecin. Et là, je serai fier de vous comme le directeur de tous ces villages. oui. Tu vois, c'est l'une des choses que j'ai promises à ta défunte mère. Hey, ma sœur, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment la rendre heureuse? Mais je suis sûr que dans sa tombe, elle serait heureuse. Comme j'aurais souhaité qu'elle soit vivante pour te voir devenir une grande femme comme ça. Maintenant, je veux que tu me dises, tu sais, comme une famille, nous devons tout partager ensemble. Nous devons toujours nous dire toutes les vérités. C'est comme ça que ta mère et moi vivions quand elle était encore vivante, tu vois. Comme une seule famille, nous devons toujours partager tout ce que nous avons, tous nos problèmes, tous nos secrets. Okoma Kechi,
au coin d'Ama. Ok, papa. Je te le dirai. Même si elle m'avait interdit de dire à n'importe qui. Ah. Mais je te dirai. Nous sommes une famille. Nous pouvons tout nous partager. Cela s'est passé. Cela. Maman, maman, laisse-moi te soulever. Désolée, oh. Merci, ma fille. C'est pour te faire son trop lourd pour toi, pour transporter. Oh, t'inquiète pas. Je peux très bien prendre soin de ne ça. Ne vous inquiétez pas, oh. Je t'aiderai à les ramener à la maison. Ah, es-tu sûre? Oui, on prendra quelle route pour arriver chez toi? De ce côté. Ah, ok, ok, je vais t'aider à les ramener. Oh, merci, oh. Oh, laisse-moi t'aider. Ma fille, nous pouvons nous reposer. Ah ah, c'est ici ta maison. Ne t'inquiète pas, mon fils sera là bientôt pour m'épauler. Prenez un peu de repos. Ah, ok. Laisse-moi t'aider. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, maman. Ah. Merci beaucoup, ma fille. Je vous en prie, maman.
Tu as vraiment un très bon cœur. L'autre jour, je t'avais vu aider un Ekema avec son bidon d'eau. Et aujourd'hui, tu m'as aidé avec mes boîtes de chauffage. Que le Dieu du ciel, Chukwu, le Dieu suprême, le Dieu de la terre et le Dieu du ciel, Ndimbiri, adieu Chukwu, et que ton Dieu te bénisse. Et c'est... Merci beaucoup, maman. Et je dois déjà partir. Et attends. Ma fille, je sais que tu traverses beaucoup de choses entre le mère et ton oncle. Prends ceci. À n'importe quel moment, tu as besoin de quelque chose. Exprime-toi à cela et tu seras répondu. Sois-en sûr que tu demandes toute chose qui est importante pour toi. Et une autre chose, n'aie dit à personne d'autre. À personne d'autre concernant ce bracelet. Est-ce que tu me comprends? Mais pas demain. Ne pose pas de questions. Fais juste ce que je t'ai dit. Tu peux aller maintenant. Merci, maman. Je t'en prie, ma fille. Je dois être en route pour la rivière maintenant. Ok. Prends soin de toi, oh. Fais de même. Hey. Et alors, depuis ces jours-là, le bracelet commençait à faire des choses pour moi. Tu parles de ces bracelets-là? Oui, papa. Tu vois, très bien. Tu sais, nous les enseignants, comme le vieux directeur de ce village, je veux que tu le fasses ici devant moi, afin que je le voie de manière pratique. Voir, c'est croire. Fais ça. Fais okay, ça maintenant, papa. Je vais voir. Hein? Ok. Que dois-je demander? Il faut demander l'argent. C'est l'argent. C'est le plus important de tout ce dont nous avons besoin de la société. Je veux l'argent. Hey! Ça, c'est l'argent? Oui. Ah! Juste comme ça? Seulement, je veux l'argent. Hey! Tu as vu, papa? Ça marche. Ah! L'argent. Hey, nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Exactement. Hey, hey! Écoute, tu ne dois jamais dire ça à personne. Personne ne doit le savoir. Ça, c'est un secret de famille. Un secret de famille. Nous sommes... Hey, je vais demander quoi maintenant. Hey! 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 Nous sommes riches. Ojibi, je m'en ho. Hey! Ha! Nous sommes riches. Regarde papa. Ça. Regarde ça. Non, mais je pense que je vais démissionner. Mon poste est directeur là-bas à l'école. Je vais démissionner. Hey, papa! Nous avons déjà ça. Avec ça, on peut s'asseoir et demander tout ce qu'on veut. On le souhaite seulement et ça arrive. Néo! Non, fais vite, s'il te plaît. Fais un peu vite, hein? Dépêche-toi, tu sais que nous allons bientôt rentrer ici, hein? Né. Oh. Papa. As-tu le bracelet? Mettons-nous en route, il n'y a plus de d'accord. temps. D'accord. Oui, vas-y, ferme-moi ces portails-là. Ferme-moi ces portails-là. Oui. Comment je suis dans cette robe, papa? Tu es très belle, ma fille. Je veux dire, tourne un peu. Vas-y, tourne encore. Hi, ça c'est ma fille. Mais quelle beauté! Ma fille est très belle, tu es vraiment belle. Hey, Assampete, moi! Ma belle fille, tu sais, ta famille maternelle veulent vraiment te voir. Alors, ils t'attendent déjà maintenant. Je suis impatiente pour les voir, papa. Oui, ils ont hâte de te voir aussi. Ils sont heureux de te voir. Alors, oui, bien sûr. Je connais très bien ces gens. Ils ont vraiment hâte de te voir. Ils m'ont beaucoup dérangé pour ça. Néo, ma fille, tu es la meilleure. Écoute, ah oui, tu sais, ces gens-là, jamais ils ne savaient que ma soeur avait donné naissance à une jolie fille comme toi, tu vois. Ils ne savaient pas ça du tout. Mais quand ils te verront, ils seront vraiment étonnés de voir une jolie fille comme ça. Et voilà la robe que tu portes. Ils seront vraiment étonnés. Voilà comment tu es. Ils vont se demander, est-ce que c'est vraiment elle? Ils seront étonnés de voir une belle fille comme ça. Et il ne faut pas leur parler de ce secret-là, s'il te plaît. Ne leur dis pas, s'il te plaît.
notre secret va rester à nous. Il ne faut dire ça à personne. Et sinon, ça fait vraiment très longtemps. Ne sois pas fatigué, ma fille. Nous sommes presque arrivés. Mais quand nous serons arrivés là-bas au point, hein, nous serons déjà arrivés. Oh, je vois. Est-ce que tu connais les portos de la bonne voilà. Regarde, le temps voilà. C'est regarde si. On peut aussi l'utiliser okay. Pour les dîners et même la cuisine. Oh. Ah! Oui. Ah, papa, dépêche, non? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fait, ma fille. Neoma dépose maintenant avec sa mère dans la tombe. Oui! Et pour le bracelet, papa? Ah, tu n'as plus qu'à faire à ton père. Ah, je suis rentré avec le bracelet. Le voilà. Raison pour laquelle tu es vraiment un homme oui, sage. C'est pourquoi les dieux. On fait de moi le directeur de la seule école ici dans ce village. Voilà le bracelet. Je vais d'abord faire un souhait, papa. Non, 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 mais ça signifie quoi ça? C'est quoi ça? Comment je peux te donner? Tu veux faire le souhait d'abord avant moi? Laisse-moi souhaiter d'abord. Ok. Je vais demander 1 million de naira. Oui, mets tes mains comme ça parce que c'est une grosse somme. On ne sait pas comment ça va tomber. Ou bien, pourquoi tu n'utilises pas ok, papa. Rentre. Très bien. Ça sera peut-être des billets de 50 naira ou de 100 naira. Okay, on ne sait pas. Donc, okay, sois prête. Ah, je souhaite avoir. 1 million de naira. Maintenant. Ha. Ojugu. Ojugu. Hey. Ojugu. Hey. Ojugu. Mes yeux. Mes yeux. Mes yeux, Ojugu. Hey. Ojugu m'a pris mes yeux. Hey. Je n'arrive plus à voir. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je suis aveugle. Hey. Ngozi. 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 Hey. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Ngozi. Ojugo, qu'est-ce que nous t'avons fait? Ojugo, pourquoi? Pourquoi ça? Ojugo, ma sœur, mais pourquoi? Neoma? 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 Neoma. Neoma. Ah ah. Neoma. 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 Doucement, ma fille. Doucement. Hey, doucement. Doucement. J'espère que personne ne verra dans cette condition. Hey, mon Dieu. Hey, oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant là? Hey, 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 voilà ce que la culpité nous a coûté, moi et ma fille. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Hein? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Hey, la personne à qui je parle ne m'entend même pas. Elle ne m'entend même pas. Ha! Hey, Ijoa. Hey, hey. Qu'est-ce que je vais faire? Neoma. Neoma.
Norma. 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 Bona comme il dit, Kena. Akema, s'il te plaît, est-ce que tu as vu Norma ici? Non, je ne l'ai pas vu, ça fait déjà 2 semaines. Y a-t-il un problème? Non, 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 il n'y a pas de problème, aucun problème. Ok, ok. Mais où est-ce qu'elle est partie comme ça? Norma! Norma! Hey! Hey! Norma! Hey. Hey. Aïe, aïe, aïe. Hé, hey, Bouka, dans quoi est-ce qu'on vient de se jeter là, mon ami? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hé, Bouka, je n'arrive pas à uriner. Je n'arrive pas à uriner, je meurs ici, oh. Hey, c'est quoi ce problème? Hé, hey. Aïe. Hé, hein? Ma partie, j'ai une telle saigne. Hé, hé, hé. Qu'allons-nous faire, non? Qu'allons-nous faire, Ibuka? Qu'allons-nous faire? Et c'est tellement rouge et ça fait vraiment très très mal. C'est tout rouge. À chaque fois que je gratte, ça me fait vraiment très mal. Ikena, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Non, attends. Que ce ne soit pas ce que je pense ici. Et à quoi est-ce que tu penses? Hé! Vous avez contacté des infections. Exact. C'est ce que tu penses. C'est vraiment ce que c'est. Oh, ça fait vraiment très mal. Ikena, je n'arrive pas à uriner. Ça j'arrive pas à uriner, ma chose me fait très mal depuis là. Ça gratte d'ailleurs, à chaque fois que je lui touche. Je te gratte aussi. Ça me gratte tellement. Vous voyez ce que je vous ai toujours dit à vous deux, hein? Quand vous allez partout faire l'amour dans ce village, vous n'arrivez même pas à vous protéger. Voilà maintenant, c'est d'accord, vous êtes mis. Voilà maintenant. Ikena, c'est vraiment pas le moment de me mettre là. Trouve une solution, je t'en prie. Je sais que tu es très très bien éduqué, alors s'il te plaît, trouve-nous des médicaments maintenant. Pardon. Je peux bien vous aider, mais à seulement une seule condition. Quelle est cette condition? Une condition. Quelle est la condition, non? Dis-la. Oui. Je cherche Norma. Si vous m'aidez à la retrouver, je vous promets que je vous dirai quoi faire. Tous les démangeaisons que vous avez, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter immédiatement. Allons chercher Norma. Allons-y. On y va par où? On va par ici. Allons-y, alors. Ne te réveille pas. Ta plaie est encore fraîche, alors sois allongé. Je remercie mon Dieu de m'avoir sauvé. Et je suis toujours en vie. Comment suis-je arrivée ici? On peut l'utiliser. Ok. Pour le dîner. Et même à la cuisine. Oh. Ah! Oui. Et je t'avais sauvé. Merci beaucoup, maman. Donc, mon oncle voulait vraiment me tuer. Mais je t'avais prévenu dans ton rêve. Mais tu ne m'avais pas entendu. Tu m'as même désobéi. En parlant à ton oncle concernant le bracelet. Je suis vraiment désolée de t'avoir désobéi. J'étais juste emportée par l'amour dont mon oncle et sa fille me montraient. Amour. Ton oncle est maintenant aveugle. Et sa fille, sourde et muette. Ah, comment? Qu'est-ce qui s'est passé?
Osez vouloir. C'est bas pour le juste et les gens de bon cœur. Voici ton bracelet. Je ne vais pas te le donner. Parce que tu m'avais désobéi. Mais je te permets à faire des souhaits. Fais ton vœu maintenant. Je suis vraiment désolée de t'avoir désobéi. Fais ton vœu. Je fais un vœu pour Ikena, mon ami, d'avoir un travail à la cité et avoir plein de succès. Fais ton dernier vœu. Je souhaite aussi que mon oncle et sa fille se rétablissent. Très bien. Tu as un très bon cœur. Et pour ça, je vais te remettre ces bracelets pour toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Mais qui es-tu? Lève-toi. Est-ce que tu t'en souviens quand tu étais sur la tombe de ta mère en pleurant? M'amener. Je suis vraiment... Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Toi aussi, j'ai faim. Hein? Vas-y, va chercher à manger. J'ai faim. Va chercher à manger. Fais vite. Et c'est à toi que je parle. Même si je vais t'enseigner à préparer maintenant, c'est trop tard. Parce que tu ne sauras pas quand est-ce que j'ai dit. Mets le sein ou mets de l'eau. Si j'attends encore, et ta bouche en l'air encore, c'est que je vais te faire. Tu ne croiras pas. Je te dis que moi j'ai faim. Toi, tu fais encore houhou. Gozi. Gozi. Ah, ah, moi j'ai faim, oh. Si tu n'as pas faim, moi j'ai faim. Très bien. Voilà maintenant. Oh. Hein? Hein? Je peux voir. Hein? Gozi, hein? Tu m'entends maintenant? Hey! Oh, je peux voir maintenant. Hein? Je peux voir maintenant. Papa! Hey. Papa, je peux parler, oh. Ah, mets-toi là. Attends. Ah! Oh! Oh, Joe! Reste là! Papa, tu l'avais pas tué! Je l'avais tué, je ne sais pas comment elle est encore venue ici. Je ne sais pas comment elle a fait. T'inquiète pas, papa. Ah. Je te croyais morte! Non, ma mère m'a sauvée. Non, ma. Non, mais nous sommes désolés, s'il te plaît. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-nous. Non, ma. Pardonne-nous. Nous sommes désolés, s'il te plaît. Non, ma. S'il te plaît, pardonne-nous, non, ma. Hein? S'il te plaît, ça ne va plus jamais se répéter. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardonne-nous, s'il te plaît. S'il te plaît. Pardonne-nous, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Je vous ai pardonné. Hé! Hey. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je n'arrive pas. Vas-y, tu es enceinte! Bonjour. Bonjour, monsieur Ikena. Mon nom est monsieur Emmanuel. Et je suis un messager de la compagnie d'huile dont vous avez soumis l'admission récemment.
Voici votre lettre en gauche. Hé! Hein? Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci. Une chose de plus. La compagnie vous procurera, vous donnera une voiture officielle et aussi une maison pour vous. Hey. Vous pouvez venir avec votre femme si vous êtes marié. Merci, merci beaucoup, merci. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné ce boulot. Merci infiniment. Félicitations, merci, monsieur. Monsieur Ikenna. Oui, monsieur, merci infiniment. Je dois y aller très maintenant. Bien. Merci infiniment. Hey! 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 Une voiture officielle, une maison. Oh mon Dieu! Hey! Né? Oh, viens là. Mais où étais-tu? Si, longue histoire, tu es erré. Oui, tu connais l'entreprise là où j'avais déposé ma candidature, n'est-ce pas? Hein? Ils m'ont engagé. Ils m'ont donné une voiture officielle et une grande maison. Je suis très heureux, oh. Je suis très heureux. Je suis contente pour toi. Une autre chose. Qu'est-ce juste qu'il y a? Une chose, une seule chose pour mon bonheur. C'est laquelle? Veux-tu m'épouser? Oui. Merci beaucoup. Merci. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas de bague maintenant. Mais nous allons en ville. Et comme tu iras en ville, tu vas acheter une bague. Et tu la mettras au doigt. Oui, je suis très heureux. Allons-y. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.